les Burek, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui de retour, José, après l'entraînement de Limonest. Ce soir, c'est JT de la Coupe d'Europe spéciale tirage au sort, comme vous l'aurez vu aux hits, oui. Tirage au sort du Final Four. Donc, José n'était pas là pendant un mois d'absence, un peu plus d'un mois. Je vous avais mis un communiqué, j'ai appris une triste nouvelle, la disparition de notre mascotte Garbis le Lapin. Donc, la vidéo est rendue à son hommage, comme toutes les vidéos à partir de cette vidéo-là. Voilà, il est mort d'un AVC, les suites d'un AVC une semaine après l'avoir fait. Donc, malheureusement, je me suis absenté un mois, mais là, on va revenir plus fort pour lui rendre hommage. J'ai aussi trouvé un peu de boulot pour de vacances, donc voilà, de vacances. Je m'occupe de réseaux sociaux, de l'association Danse Move Up. Allez voir sur Instagram et Facebook. C'est pour ça que j'étais aussi un peu absent. Mais là, on revient fort mardi 14 juillet dans Limonest. Donc, il y aura une vidéo sur YouTube le lendemain. Voilà, je vous préviens direct. Et jeudi, on prend la direction du groupe Groupama Stadium pour le trophée Veolia. Donc, voilà, les amis, les quarts de finale, les affiches pour l'instant. Manchester City ou Real Madrid face à la Juve ou l'OL. On le saura après le 8. Le 7, l'Olympique Lyonnais, le match retour au Juventus Stadium. Un victoire 1-0 de l'OL au Groupama Stadium, on y était. Et City Real Madrid, à l'Etihad Stadium, il y a eu 2-1 pour le Real Madrid pour l'info. Donc voilà, ça sera le 7 pour l'OL et 8 du mois d'août pour Manchester City Real Madrid. Donc voilà, cette affiche. La deuxième, c'est Leipzig Atlético Madrid. La troisième, c'est Barcelone ou Napoli face à Bayern ou Chelsea. Victoire, il me semble, 3-0 de Chelsea au match du Bayern au match aller face à Chelsea. Et Barcelone, je ne me rappelle plus du résultat en tous les cas. Voilà. Et Atalanta Paris. Ça sera le petit poussé de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain. Voilà, tout de suite, le prono. Donc, Paris Saint-Germain, Atalanta, Bergame, notre affiche du 12 août 2020. On verra s'il y a des débriefs, si je me prends un peu de vacances ou pas, je verrai. En tous les cas, voilà, sûrement, il y aura peut-être beaucoup de débriefs à ce moment-là. Donc, Paris Saint-Germain, Atalanta, le petit poussé face au PSG. Donc, l'Atalanta qui avait éliminé Valence lors de la double confrontation. Et Paris Saint-Germain, lui, Dortmund, après un match aller plus que mémorable dans le négatif pour le Paris Saint-Germain. Donc, ça va être un match, à mon avis, je ne vais pas donner de favori sur ce match. Hein, parce que, bon, Paris est favori sur le papier, mais... franchement, l'Atalanta, sur un match, tout est jouable et c'est une très belle équipe pour avoir regardé un peu du match hier, Juventus-Bergame. Voilà, ils ont très bien joué pour les avoir vus à l'époque au Groupama Stadium, on y avait été d'ailleurs. Donc c'est une belle équipe, donc remplie de talent, on ne connaît pas grand-chose de leurs joueurs, ce n'est pas des joueurs reconnus mondialement, mais des très bons joueurs. Et en face, il y a les Kylian Mbappé, Neymar Junior, Cavani, Icardi, etc. Donc ça va être très serré, donc Paris Saint-Germain est favori sur le papier, mais on ne sait jamais. La deuxième affiche, c'est l'Atlético face à Leipzig. L'Atlético qui s'était débarrassé de Liverpool, quant à Leipzig s'était débarrassé de Tottenham. Voilà, là aussi ça va être un match très serré. Là, carrément, je ne sais pas qui est favori. Dans l'expérience, l'Atlético, l'expérience en Coupe d'Europe est favori. Sur l'expérience en Coupe d'Europe avec deux finales en 2 ans, il me semble, ou en 3 ans à l'époque, il y a 3-4 ans de cela, donc oui. Mais Leipzig a une très belle équipe, on l'a vu en phase de poule face à l'OL, malgré qu'ils ne se sont pas imposés, mais ils ont face à l'OL, mais ils ont fini premier du groupe, et c'est une très belle équipe, bon, qui manque de finition sur le plan offensif. Mais voilà, il n'y aura pas de Timo Werner puisqu'il a été transféré, si je ne dis pas de bêtises, à Chelsea. Et il ne pourra donc même pas jouer avec Chelsea. Voilà. Et donc pour moi, ça va être très serré. Et là, si à l'expérience c'est l'Atlético qui est favori, mais autrement sur le papier, c'est égal. Alors voilà, cette affiche, elle sera sûrement la plus belle de ces quarts de finale, retour de quart de finale de la Ligue des Champions. Barcelone ou Napoli face au Bayern ou Chelsea. Donc normalement, on se dirige vers Bayern Munich contre l'un des deux protagonistes, le protagoniste italien Napoli ou le protagoniste catalan et espagnol Barcelone. Donc oui, Chelsea, je ne vois pas comment il pourrait revenir, surtout le football qu'il pratique en ce moment. Ça va être très compliqué. 3-0, on ne sait jamais. Hein, on a vu, on s'en rappelle, la victoire 4-1 à l'aller à l'époque du Barça face à la Roma et 3-0 au retour, on ne sait jamais. Après Barcelone-Napoli du côté de San Paolo, même si c'est à huis clos, les Napolitains ont leur repère, etc. sur leur terrain, ça peut être, ça va se jouer, on verra qui c'est qui se qualifiera.
Alors, si ça fait Bayern-Barcelone, il n'y aura pas de favori là, très clairement. Si ça fait Napoli-Chelsea, je mettrai une pièce sur Napoli. Et si c'est Napoli-Bayern, le Bayern serait favori. Mais attention à la surprise napolitaine. Voilà, c'est l'affiche qui nous intéresse pour nous supportant lyonnais, enfin pour moi en tant que supportant lyonnais, avec la victoire 1-0 à l'aller de la Juve et de l'OL sur la Juve. On est au Groupama Stadium hein, à l'époque. Ça sera le 15-08. C'est à chaque fois un jour d'intervalle. Donc le match d'avant, c'était le 14-08. Ça sera. Et face à Manchester City où le Real Madrid, victoire 2 buts à 1 de City à l'aller à Santiago Bernabéu. Très bon résultat, même super résultat. Le match retour de la Juve pour Lyon, je le sens bien, avec une belle préparation, je trouve. Crescendo, et qui peut être pas mal, surtout que la Juve aura joué plus de 10 matchs ou 15 matchs dans les pattes tous les 3 jours. Donc ça risque d'être, ils risquent d'être rincés, alors que les Lyonnais seront très bien préparés avec le retour du capitaine Memphis de Jeff Rennes-Adélaïde, qui sont déjà bien en forme. Voilà. Donc je le pense bien. Après Manchester City Real Madrid, ça risque de faire un beau match à l'Etihad Stadium au retour. Peut-être Manchester City, bon, qui ne sera pas champion d'Angleterre pour la troisième fois d'affilée, mais face au Real Madrid qui sera sûrement champion d'Espagne en titre à cette époque-là. Je n'ai pas de favori pour ce match. L'avantage est pour Manchester City pour l'instant. Voilà, donc alors si c'est Manchester City Lyon, bon, en tant que chauvin, je vais mettre une pièce sur Lyon. On se rappelle qu'ils avaient battu Manchester City à l'Etihad Stadium et au Groupama Stadium le 2 buts partout, on y était aussi. Voilà, j'avais même gagné au Paris Sportif, j'avais mis 2-1 pour City. Hein. Pour Lyon face à City, j'avais gagné. Si c'est Lyon-Real Madrid, je mets une pièce aussi sur l'OL parce que l'OL a une très grande histoire avec le Real Madrid. Et avant l'Ajax, c'était le dernier club qu'ils avaient éliminé avant les demi-finales. Voilà. Après, si c'est la Juve, ce que je voudrais pas face à Manchester City ou le Real Madrid, ça va être très serré, mais attention, la Juventus qui régresse un peu en ce moment, qui est pas très bon, et bon, qui reste en tête et bien en tête à cause des erreurs des équipes derrière, des faux pas, mais ça risque d'être très serré. Mais j'espère que Lyon va l'emporter, et moi je mets une pièce sur Lyon face à la Juve et en quart de finale aussi. Les affiches des demi-finales, Leipzig ou Atlético face à l'Atalanta ou Paris, City Real Madrid ou Juventus Lyon face à Barcelone ou Napoli ou Bayern ou Chelsea. Donc le premier pronostic, si l'Atalanta élimine Paris face à Leipzig ou Atlético, ça risque être compliqué pour l'Atalanta, mais on ne sait pas, hein, les surprises peuvent être là, mais ça sera le favori, Leipzig ou l'Atlético. Si c'est Paris qui élimine l'Atalanta, face à l'une des deux équipes, autres équipes, elles seront favorites. Et je voudrais dire, bon, maintenant qu'on est sur les demi-finales, si Paris ne va pas en finale, c'est quand même très 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 étonnant. Voilà. Je n'irai pas casser Paris, mais voilà, je dirais juste étonnant. Pour ce qui est de l'affiche Manchester City, Real Madrid ou Juventus Lyon, face à Barcelone, Napoli ou Bayern Chelsea. Donc là, moi pour moi, je suis en train de. Je pronostique que ça va faire un Lyon-Bayern Munich ou un Lyon-Barcelone. Et bien sûr, Barcelone ou Bayern seraient favoris. Après, n'importe qui tomberait face à Lyon serait favori dans ces affiches-là. Les équipes qui tomberont contre Chelsea à part Lyon seraient favoris aussi. Et Lyon, ça se jouerait sur le papier pour moi. Face à Napoli aussi, les autres équipes seraient favorites, mais attention à la surprise napolitaine, et autrement ça se vaudrait sur le papier en tous les cas. Voilà. Donc ça va nous faire. Moi je pronostique Lyon en finale face au Paris Saint-Germain. Soyons fous. Voilà, la cote de l'OL gagnant de la Ligue des Champions était à 100 contre 1 avant le tirage au sort. Soyons fous. Pourquoi pas une finale 100% française? Moi je la pronostique. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pronostiquez pour tout ça. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et je vous dis, Kichette Pali, à la prochaine, salut, et n'oubliez pas le...